صباح الخير مشاهدينا، حنا موعدكم مع واتس كوكينج، واليوم معي شيف شارل عزار ومعنا ضيف مميز. مين معنا اليوم؟ معنا جون ميشيل بوريشون، جاي من فرنسا. فرنسا، وهلا انت اكيد رح تسالي لشو جاي من فرنسا، و كرمال اوريكا 2016 هو مزبوط. سادس مره بيجي على لبنان، ولكن صح. اول مره بنستضيفه باستديوهات الام تي في. So, Sahil, bienvenue. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie beaucoup. Ça fait six ans que vous visitez le Liban et c'est votre première fois dans nos studios. Bienvenue. Merci. Et vous êtes meilleur ouvrier de France. Expliquez-nous un peu. Donc, le meilleur ouvrier de France, c'est un concours purement français qui existe depuis le temps des croisades. Donc, vous voyez, c'est un concours très ancien. Très ancien. Et donc, c'est un concours qui se passe tous les 4 ans. C'est une sélection d'abord au niveau des régions, de différentes régions de France, pour arriver à une sélection nationale et pour une finale nationale. D'accord. Donc, c'est un concours, je dirais, où il y a l'élite de l'artisanat, puisqu'il y a environ 220 métiers qui participent à ce concours. Comme exemple, tous les métiers d'alimentation, ça veut dire okay. cuisinier, pâtissier, boulanger. Mais aussi, dans l'artisanat, il y a les menuisiers, okay. il y a les artisans de l'art, en fin de compte, puisque dans le métier artisan, il y a le mot art. Voilà. Bien sûr. Et donc, quand on gagne ce concours, c'est un concours que l'on gagne à vie, et on a le droit de porter à la fois le titre de meilleur ouvrier de France avec le col bleu blanc rouge pour tous les métiers de l'artisanat. Voilà. Ok, peut-être bel cadre, Charles. Oui. Non, moi j'ai commencé maintenant. Aujourd'hui, on va faire, on va préparer. Qu'est-ce qu'on va préparer? Alors, on va préparer. Je vais vous présenter une tarte au chocolat, mais on va faire c'est la tendance, une tarte au chocolat revisitée. 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 Vous allez voir, elle est un petit peu déstructurée. À la façon de Jean-Michel. Voilà. Okay. Et comme mes origines sont bretonnes, puisque je viens de la Bretagne, eh bien, yes. plutôt que d'avoir choisi une pâte sablée traditionnelle ou un sablé breton ou une tarte au chocolat avec un sablé chocolat, j'ai réalisé ici un sablé breton. Parfait. Puisque c'est mes origines, donc chaque personne pourra, puisque monsieur Charazard vous a déjà présenté plusieurs fois le sablé breton, donc vous pourrez reprendre une recette de Charles. Et vous avez vu la particularité, c'est quelque chose qui a une levure chimique à l'intérieur, donc une levure qui va permettre de développer ce sablé et d'avoir justement tout ce croustillant, vous voyez, et ce côté très, très sableux. Voilà. Donc chaque personne pourra réaliser ce sablé breton. Donc, vous savez, Dina, tu as appris le sablé breton. Le sablé breton, on l'a fait. أكيد يلي بده يرجع يشوفه بيقدر يفوت عندكم على الام تي في، وعندنا على الام تي في كمان، صح. وعلى كمان على الفيسبوك بيج شيف شارل عزار. الفيسبوك بيج شيف شارل عزار. شو عم نعمل هون؟ هلا عم نعمل الكريم انجليز، الحليب والكريم غليتهم على النار، أوكي. الصفار والسكر موجودين عم نخفقهم بالخفاقة. Alors c'est très important ici plutôt que de réaliser une ganache traditionnelle. Oui. Ici, on a fait ce qu'on appelle un crémeux chocolat. Le crémeux chocolat contient donc des jaunes d'œufs, du sucre. Et ici, au départ, j'ai fait bouillir ma crème fleurette, ce qu'on appelle une crème fraîche, et le lait. Donc, ce qu'on va voir, justement, plutôt qu'une ganache un petit peu ferme, on va voir quelque chose d'un petit peu plus crémeux. Et ça, c'est très important. Par contre, quelque chose de vraiment très important, puisque ici, je suis en train de réaliser une crème anglaise, il faut surtout pasteuriser les jaunes d'œufs. Donc, la pasteurisation, c'est à 85 degrés, ou ce qu'on appelle plus exactement la cuisson à la nappe. La cuisson à la nappe, on va se servir ici d'une marise. Et donc, puis on remet le tout. On remet le tout ici dans la casserole. On descend la température pour ne pas aller trop vite. Et comme je vous disais, la cuisson à la nappe, on va se servir ici d'une marise et on va faire attention. Vous voyez, on ressort et de temps en temps. À feu doux. Un mouvement de 8 ou de Z. De 8. De 8. Et on appelle ça de vanner. Oui. Le terme exact, c'est vanner. C'est de pouvoir. Voilà, on va contrôler, vous voyez, elle coule encore un tout petit peu, donc on la remet pour avoir une cuisson de cuisson supplémentaire. Voilà, et donc là, on verra, la mousse va plus ou moins, la petite écume blanche va plus ou moins disparaître. Et donc,
on aura une belle cuisson qui va napper. Voilà. Donc ici, on va l'odeur pouvoir... est envoûtante. Donc vous voyez, on a quelque chose qui nappe bien et souvent, la personne peut tracer un trait pour faire voir qu'elle ne coule plus. Ok. Voilà. Donc ici, on a la bonne cuisson. C'est parfait maintenant. C'est parfait. Ici, je vais utiliser un chocolat noir, un chocolat 66% de cacao. Ça veut dire qu'on a un chocolat qui est un petit peu plus, pas trop amer, mais un petit peu plus corsé quand même. Donc, quand on parle de 66% de cacao, ça veut dire qu'on a la différence, on a 34% de sucre. Voilà, je vais verser ma crème anglaise ici sur mon chocolat. Alors, je le verse en deux fois, puisque je vais, au départ, commencer une émulsion. Si vous mettez trop rapidement et trop de crème à la fois, vous allez déstructurer cette ganache. Donc, au départ, on le fait un petit peu, comme je dirais, une mayonnaise. Souvent, c'est un terme qu'on emploie en dessert de restaurant. Donc, on démarre petit à petit, vous voyez, tout doucement. Vous voyez, mon chocolat ne va pas fondre trop rapidement, il ne va pas trop se déstructurer. Vous voyez, la ganache commence à prendre. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit peu la méthode d'une mayonnaise. Et ça brille. Voilà, tout à fait. Tout à fait, on aura quelque chose de bien lisse. C'est important d'utiliser un mixeur parce que là, on va avoir vraiment quelque chose de bien lisse sous le palais. Voilà, je vais demander à Charles de me tenir juste et je vais ajouter le reste. Vous voyez, j'ai fait en deux fois. Non, en deux fois. En deux fois, c'est l'idéal. ذا عم يدوبوا شوكولايات شلون؟ هن ديبو بس عم نشوف بعد شوي مشان هيك عم تطلع لتحت صح نعملهم بايدي هيك شوي اوكي لكن عمرتين حتى ال اوكي ميرسي المزيج voilà lorsque vous avez réalisé votre ganache comme ceci votre c'est pas un sus on dit un crémeux puisqu'on a utilisé donc des jaunes et la crème. On va utiliser ici les cercles Cerkinox de 2 cm de haut et de 8 cm de diamètre. Okay. Ces cercles iront sur notre sablé breton et donc le sablé breton, vous avez pu le remarquer, fait 9 cm de diamètre. D'accord. Voilà. Donc on n'a pas fait de fonçage. Le fonçage, ça veut dire le travail de la pâte. Ici, donc je vais ajouter, regardez, dans ces cercles, mon crémeux. Yummy! Appétissant. Voilà, comme ceci. Et on va avoir la même texture lorsqu'on va servir la tarte. Ouais. Voilà, on aura une texture. C'est pour ça qu'on appelle crémeux, puisqu'on va avoir une texture bien crémeuse. Je sais. Voilà. Alors, vous allez la garder au frigo. Au frigo. Okay, au frigo. Ou bien au congèle. Okay. Voilà, maintenant, puisque... on a préparé à l'avance. À l'avance. Voilà. Donc, deuxième étape, on va commencer à préparer donc ici ce qu'on appelle une chantilly chocolat lait. Une chantilly chocolat lait, mais j'ai voulu lui donner un petit parfum. Donc, on pourrait très bien utiliser davantage de parfum. Aujourd'hui, on a utilisé l'orange. Mais vous pouviez éventuellement mettre un épice, mettre de la cannelle, mettre vous voyez, tout ce qui vous fait plaisir. Qu'est-ce qui va avec y a beaucoup, voilà. Donc, avec le chocolat, je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se marient ensemble. Donc, ça, vraiment, on a le choix et la liberté à chacun de pouvoir s'exprimer. Ça dépend c'est très de important. Chaque personne. Tout à fait. Donc, au départ, on va prendre donc ici la crème que je vais mettre à chauffer. Et on va faire une infusion. D'accord.
Voilà. Donc ici, je vais utiliser ce qu'on appelle une microplane. Une microplane pour mettre à l'intérieur, donc, pour râper, ici, les zestes d'orange. Les zestes d'orange. Donc, à l'intérieur, vous avez lavé votre orange au départ. Et ici, vous voyez, je vais passer pour mettre tous ces petits zestes d'orange. Oui. Anna, je fais les zestes à l'envers. Mais les deux, ça marche. Voilà, les deux. On pourrait très bien tenir notre râpe et éventuellement faire comme ceci. Vous voyez, il y a différentes techniques. Voilà, comme ceci. Donc, nous allons faire chauffer notre crème. Alors, vous voyez, à partir du moment où vous utilisez ce qu'on appelle une microplane, comme ceci, on a des zestes qui sont vraiment très, très fins. On n'a pris que le zeste au-dessus et pas la peau blanche. Donc, on n'a pas l'amertume. Voilà, je vais la faire chauffer. Alors, cette chantilly va être réalisée minimum 12 heures à l'avance, puisqu'elle aura besoin de 12 heures de réfrigération pour pouvoir la monter. Voilà, donc ça c'est très important par contre de la mettre longtemps à l'avance. Alors ici, on a du chocolat lait. Le chocolat lait ici, il est à... Pourquoi c'est pas du chocolat noir? Alors justement, c'est pour faire un contraste pour la ganache. Donc entre le chocolat noir, du dessus, la puissance, et ici la petite douceur, la petite touche féminine, plus je dirais. Sucré. Voilà. D'accord. Je vous comprends. Donc ici, ce qui est très important, voilà, on pourrait le faire également. Le principe de cette chantilly chocolat, on peut très bien l'interpréter avec du chocolat noir ou du chocolat blanc. Ça, c'est après à... Ça dépend des goûts. Voilà, dépend des goûts et ça dépend des mariages qu'on va pouvoir faire. Donc ici, voilà. Ça commence à bouillir. Ça commence à bouillir. Alors on peut laisser infuser, si vous, les zestes d'orange, on va les garder puisqu'ils sont très fins. Par contre, si vous allez infuser de la cannelle, eh bien vous laissez, ou de la vanille, ou de il la fève de tonka. Voilà, on va laisser infuser 5-10 minutes. Et ensuite, on passera au chinois pour enlever, bien sûr, le produit qu'on aura infusé. Ici, donc, je vais ajouter le mon chocolat, comme ceci. On va bien faire fondre notre chocolat, bien mélanger. L'idéal, si vous avez la possibilité également, si vous avez un mixeur, on peut très bien mixer notre chocolat pour avoir un meilleur résultat. Ton glaçage, il est à point maintenant. Très bien. Là, nous avons mis à point. À point, il y a la harare al mazbouta, il y a le glaçage, la crème de chocolat. Je vais vous dire, les mouchahidines, شوي مطروح ما بقدري احكي كثير بس عم بحاول ميرسي عم بحاول قد ما فيي Donc voyez ici notre chantilly chocolat lait est réalisé. Voilà, elle va passer donc 12 heures au réfrigérateur afin de reprendre bien sa structure, sa structure bien froide pour pouvoir l'émulsionner, ça veut dire la monter au batteur. Ça c'est très important. Voilà. On va vous parler un petit peu du glaçage pour donner un côté plus joli, plus brillant, plus technique, je dirais, à notre petite tarte, d'accord, tarte chocolat. Et bien dessus, on a choisi de faire un glaçage. Donc Charles a l'habitude de vous présenter son glaçage chocolat. Donc j'ai utilisé le glaçage de Charles. Donc ici, c'est un glaçage au chocolat noir qui est composé d'eau, de sucre, de cacao poudre et de gélatine. Alors vous voyez, nos petites tartelettes sont prises. Elles ont durci puisqu'elles sont passées en réfrigération. On va ôter nos cercles. Pour ôter les cercles, regardez, vous avez juste à chauffer un petit peu les bords du cercle, comme ceci. Voilà. Et regardez, elle vient tout seule. Voilà. Ici, nous avons ôté les cercles. Alors regardez, la technique, si vous ne voulez pas avoir à salir, regardez, vous avez ici une plaque et je mets un film dessus. Alors pourquoi je mets un film? Afin de pouvoir récupérer mon glaçage. Voilà, très bien. On va mettre en triangle. Donc ici, à l'aide d'une spatule, vous allez pouvoir, regardez, mettre un petit peu de glaçage tout autour. Comme ceci. Et vous allez, à l'aide de la palette, glacer correctement. Ici. Voilà, vous voyez le glaçage
permet d'avoir quelque chose de bien brillant et de très joli. Donc vous faites bien le tour de votre tartelette comme ceci. Comme c'est beau. Voilà. Et avec la spatule, ici, vous ôtez l'excédent. Peut-être on va faire une tarte maintenant parce qu'on a encore 6 minutes. D'accord. Et le reste, on peut le préparer après. OK. هذا من لو كلاصاج ميروار ليش من الميروار لانه هو بلا ماء on va prendre trois assiettes ou deux ou une on va prendre une. Donc pour cette finition, regardez, je vais prendre mon sablé breton comme je vous ai dit ici, vous le posez à côté. Voilà, et à l'aide de la spatule toujours ici. Vous allez nettoyer un tout petit peu votre glaçage et vous allez poser votre glaçage sur votre fond de tarte, sur ici, voilà, sur votre sablé breton. C'est tout à fait régime, ça. Donc ici, pour pouvoir faire une belle présentation à l'assiette, OK, je me suis muni, on va prendre une cuillère. Coulis de mangue. Coulis de mangue, parce que ça se marie parfaitement avec le chocolat, à la fois avec le chocolat noir et à la fois avec le chocolat lait. Donc ici, vous allez pouvoir, regarder, réaliser un petit décor en chocolat, comme ceci, en coulis de mangue. Je vais nettoyer juste le bord de l'assiette, c'est important d'avoir une assiette. Ici, fais attention, elle est un peu chaude. D'accord. Pour ne pas fondre la crème. Ici, regardez, vous mettez votre petite tartelette au centre de l'assiette. Voilà. On va prendre quelques petites noisettes, toujours pour rappeler un petit peu le côté croquant du produit. Donc, regardez, vous prenez quelques petites noisettes caramélisées que vous aurez pris soin de caraméliser avec un peu de sucre. Voilà. Donc, vous répartirez un petit peu de croquant noisette, comme ceci. Voilà. C'est simple et c'est facile, jusqu'à maintenant. Oui, je pense que c'est accessible à tous. À tous. Et surtout, tous les passionnés. Et on peut faire ça à la maison, exactement. Absolument. C'est ça notre but. Exactement. Donc ici, vous voyez ma chantilly. Voilà. C'est un peu chaud. Un peu chaud. Tu peux voir, tu veux voir la température. Voilà, non, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Okay. Donc ici, vous voyez, on a pris un petit peu d'eau chaude, à la fois deux petites cuillères, pour pouvoir faire une quenelle et mettre au centre. Donc vous chauffez pourquoi un tout petit peu votre. Pourquoi vous utilisez l'eau chaude? Alors, afin de bien tourner nos quenelles, okay. Elles vont bien glisser. Voilà, avec la chantilly. Donc regardez, voilà, vous allez les laisser juste comme ça et vous allez faire une belle quenelle. Avec la chantilly chocolat lacté que l'on aura monté. Voilà, wow. Comme ceci. Et vous allez finir la décoration. La décoration avec quelques chips d'orange. Ça, c'est vraiment très facile à réaliser. Vous allez couper des oranges bien fines, les tremper dans un petit sirop et les mettre à sécher à 80 degrés. 80 degrés au four, ça sèche pendant environ 20-25 minutes. Et là, vous aurez, vous voyez, la possibilité de donner un petit peu de hauteur à votre dessert. Comme votre chantilly chocolat lacté, elle est à base d'orange. On a rappelé le produit à l'intérieur. Enfin, pour terminer, quelques petites, vous voyez, la petite touche finale, la petite note feuille d'or. Et ça, c'est vraiment très, très, voilà. Très chic. Très chic. Voilà. Très classe. Voilà. Et ensuite, deux petits bâtons de chocolat. Voilà. Et on a quelque chose, vous voyez, qui est simple à réaliser à la fois. Et surtout, vous pourrez surprendre vos invités, vous pourrez surprendre les personnes qui seront avec vous. Donc, bonne dégustation à tous et à toutes. Chef Jean-Michel Perruchon, merci de votre visite à MTV. J'espère que vous passerez d'excellents moments au Liban et bien sûr à Aurica. Et puis, j'espère vous recevoir l'année prochaine aussi. Avec grand plaisir. Merci à vous deux
Et merci. Puis bonne chance au, à nos téléspectateurs. شارل ثانك يو بنرجع بنشوف بعد بكره انا وياك نقلرات مشاهدينا انا هيك بكون خلصت فقراتي لليوم لكن نشوفكم بكره ما تنسوا البسمه على وجهكم باي باي